tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Écoutez les amis, je suis extrêmement content, extrêmement heureux de vous retrouver sur ce Let's Play. Donc aujourd'hui les amis, on va continuer notre quête, un peu d'histoire, ça fait plutôt pas de mal. Du coup donc la dernière fois on avait rencontré Prua, Prua qui en fait était une vieille dame qui nous connaissait, enfin était, hein, oui... Elle nous connaissait depuis très longtemps, c'est elle qui en fait a conçu Atamecheka. On a pu l'aider, du coup on a pu avoir un appareil photo avec un album qu'on devra compléter. Je le ferai pas à 100%, ça c'est sûr. Mais on devra le compléter les amis, pour en apprendre un peu plus sur chacun des éléments du jeu quoi. Essayer de un peu trouver tout ça, bref, ça va être sympa. Donc là il faut aller voir, retourner voir Impa. Parce qu'elle a toujours quelque chose à nous dire. Écoutez, on va le faire tranquillement, sympathiquement. C'est plutôt cool. Il est exactement 1h chez moi. Je suis fatigué. Complètement. Complètement mort. Mais les amis, je suis content. J'ai une super nouvelle. Je devrais avoir un petit vin en maths qui va se traîner quelque part après mon 3,5 en chimie physique. RT. Et c'est vrai que c'était comme ça ici. Oui. Ah oui, d'accord. J'en ai pas, c'était pas ici. Hop là. Mon ninja. Bon, ma petite pote. Vous êtes prêts, les amis? Normalement, peut-être petite cinématique. J'aimerais bien, ça serait cool. Oh! J'avais entendu dire que Prua t'avait mené la vie dure. Mais tu n'as pas l'air mal en point. Et désolé, les amis. Ah, parfait, on a terminé la quête. Désolé, les amis, j'ai un peu la voix de canard. Parce que j'ai juste le nez extrêmement bouché. Je suis enrubé, comme on dit. Voyons voir, montre-moi ça. Oh, mais ce sont les photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Eh ben putain, mon cochon, c'était beau. Genre, c'est la fille se rappelle, enfin la femme se rappelle 100 ans avant. Et je trouve qu'elle est plutôt bien calée là sur ses trois petits fauteuils, enfin sur ses trois petits coussins. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras revisité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Oh! Des photos, des souvenirs. Ah ouais. Ah. Ah. C'est pas une machine... C'est pas des 4 gardiens, ce qu'on voit. Oh. Putain, les prises de vue sont magnifiques. Hein. Ok. Tant pis, j'ai essayé. Hein. Faites voir, je regarde un peu tout ça. Ah. Allez les amis, on sait où on va aller. Ah mais non, ça je suis con, c'est moi qui l'ai pris en photo. Ah le teubé quoi. Ah bordel à cul. Ça c'est quoi? On se trouve pile devant le château. Bon bah les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Je ne sais pas où aller. Complètement. Le mec full paumé. Alors, carte, merci. Où est le château? Je ne sais point. On va rester porté là-bas. Régulièrement. Et ça m'énerve un peu la pluie, sérieusement, ça m'énerve complètement. Hop là, on s'envole, on se téléporte. Non seulement, alors bombe à distance, non seulement leur souffle inflige des dégâts aux ennemis, mais elles peuvent aussi détruire les murs et les refaits peu résistants. Et ça c'est beau les amis, ça c'est juste magnifique. Ah, j'espère que vous passez quand même une bonne semaine aujourd'hui. Normalement nous sommes vendredi quand cet épisode sortira, il me semble. Il me semble. Oui, normalement. Si j'arrive à bien faire mon truc, ça sort le jour où je tourne. Alors, coucou toi. Donc, où est le château? Où est cette merde de château? Château! Viens voir ton lit. Ah bon, mais la pluie, c'est juste insupportable. Hein, on se dise. Ok, donc là-bas, c'est le volcan. Là bah, c'est une tour. Je ne sais pas où aller. Mais pour moi, enfin, ce qui serait le plus facile à faire et le plus joli, je pense, à voir, c'est la photo qu'on a vue au tout début. Très clairement, parce que j'aimerais bien trouver ce lieu. Il a l'air plutôt sympatoche. Mais je ne sais pas où il est, le Sato. C'est plutôt problématique. Ah bah attendez, je suis bête. Regardez, moi. À votre canon. Voilà. Hop, du coup, le château est par là-bas. Nickel. Bon, maintenant, on sait où il est. On sait où est le château. Des photos, des souvenirs.
Ah oui, bah. On pouvait pas trop le louper celui-là. C'est sûr, c'est sûr. Oh, des petits chevaux. On va essayer d'en prendre un. Pour le coup, parce que ça pourrait nous être fort utile. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre les ponas. Honte à moi. Alors par contre, les petits potes, vous allez arrêter de vous déplacer comme ça parce que j'aime pas trop beaucoup ça. Allez! Bordel! Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Ah. Hop là! Oh, chut. Oh, mais calme-toi! Il s'est pas du tout laissé faire. Je me suis fait no respect par un cheval là. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Bon alors, voyons voir. Sur la photo. Ah, oui. Sur la photo, sur la photo. On voit bien que le château est de face. Ok. Tiens, il est loin le château. Hein. Alors, je sais pas si c'est bon ce que je fais ou pas, mais pas grave. Très clairement, j'ai envie de m'éclater. Au pire, tout pire, vous aurez des ellipses, vraiment. Mais on voit vraiment toutes les tours qu'il faut activer. Eh, vraiment, c'est chiant cette pluie. Non, mais oh. Très clairement, les présentatrices météo, elle a pas fait son taf. Elle ne va pas indiquer correctement les trucs. Alors. Oh, je doute que ça soit par là, mais bon. Enfin, je suis pas con, hein. Normalement on m'a dit oui, tu fais ceci comme ça. Alors. Le truc, c'est que je vois vraiment pas parfois où c'est. Hein. C'est pour ça que celui-là, c'est peut-être le truc qui me parle le plus parce que j'imagine que c'est dans la plaine. Bon. Là, on a une tour toute proche. Je sais pas si ça serait worth de la visiter. Alors par contre, carte. Ouais. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il fout là le truc? Vas-y, arrête de me suivre, mais arrête de me suivre, mais arrête de me suivre. Oh mon dieu, les paparazzi. Adieu, adieu, adieu monde cruel. Je vous aime, mes chers pères. Alors, oui, mais non. Alors, on va se le dire très clairement entre nous. Ça va pas le faire. Si, pardon, je vous prends des gardiens sur la gueule. Ah putain. Ah ouais. No time to kill, les petits potes. Hein. No time to care. Yo! Ah, il pleut encore, génial. Ah, il continuera à pleuvoir. J'en vais arriver à ce moment-là, voici. C'est à ce moment où tu te sens con parce que tu sais que tu n'arriveras pas à remonter. Bonjour? Bonjour? Bonjour, merci. Bon, ben voilà. Bon, j'ai réussi. On a réussi à avoir une carpe. Hop, 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 yep là. Oh. Bon, couvert de marmite, merci. Bon, sinon, plus sérieusement, les amis, parce que. Putain, ça, c'est un pont qui fait vachement penser à Twilight Princess. Et là, je sais pas du tout. Là, je pourrais pas vous dire où on doit aller, comment le faire. Ça risque d'être compliqué, les amis. Hein. Certains arcs exceptionnels décochent plusieurs flèches à la fois, tout en n'en consommant qu'une seule. Une manière économique d'infliger de gros dégâts. Oh!
Ça, c'est un jour on aura un arc comme ça, les amis, ça on va les garder pour les boss, parce que pour le coup, ça pourrait être cool. Très clairement, ça pourrait être plutôt pas mal. Bref. Bref, les amis. Ah, mon dieu, j'ai un gobelet à côté de moi, c'est... Il me perturbe. J'ai envie d'écraser, tu sais, comme t'aimes bien écraser les gobelets. Comme ça, d'un coup, hop. D'un coup, d'un seul. On va dire un monstre spawn, non? On se met d'accord. Alors! Oh non. Enfin, oui et non. Enfin, oui. On peut aller dans cette eau? Oui, on peut aller dans cette eau. Mais c'est bien sûr. Hop. Et on peut même bouger cette pièce. Vous avez vu ça? Sauf que cette case veut pas être bougée. MDR lol. Ah, mais je suis. Dites bonjour au demeuré. Le mec fatigué, quoi. Eh, soulève-moi! Eh? Non, mais par contre. MDR lol. Merci. Là. Y'a quoi dans ce coffre? De l'opale, très bien. De l'opale, bon, ça va servir à la revente. C'est atrocement chiant quand il pleut comme ça. Ah oui, putain, putain, c'est quoi ce monstre? Non, ça, c'est juste un moblin. C'est quoi, c'est... Oh, damn. Ah, par contre, toi, c'est bien parce que tu fais pas trop mal. Du coup, c'est gentil. Oh, ce fut un fail. Mais cuisant. Oh. Allez, les pieds rouillés. Allez, mais oui, mais en même temps. Hey, tu te calmes. C'est mes jolis chuchus. Ah, oh. Hein, bon. Là, on récupère ça. Il y a des petits chevaux, mais on va laisser tranquille pour le coup. Oh. Ta gueule. De la venaison fine, parfait, ça nous fera de la viande. Oui, j'ai carrément assassiné le pauvre biche qui n'avait rien demandé à personne. Parce que fuck. Très clairement, enfin, je suis en train de regarder de plus en plus, mais. Le truc, c'est que je sais vraiment pas où aller, hein. Parce que les mecs te lâchent dans la nature en mode aucun mytho. Mais, tu ne sais pas où aller. Normalement là ça devrait être une zone de mon niveau en soi. Alors pourquoi je fais ça? J'essaie de contourner pour arriver, activer la tour. Comme ça on aura un point de sauvegarde. Ah ouais mais c'est peut-être pas de mon level en fait. Oh. Oh. J'aime beaucoup ça. Structure à proximité. Il est où le sanctuaire? Parce que si c'est un sanctuaire, ça m'intéresse en fait. Ah, ok. Ah, il est là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des coffres? Là, là. Il ne s'est rien passé. Eh, franchement, ils ont du bon stuff, hein. Vous savez quoi? C'est que nous, on a un meilleur stuff que eux. Mais arrêtez de crier, oh bordel! Bon, t'arrêtes de faire la trompette. Oh putain. Ok, on est bon.
Ah oui, c'était peut-être pas la bonne solution d'utiliser toutes mes flèches explosives pour ça, mais bon. Voilà. Allez, bisous, bye bye. On s'est fait tous les petits ennemis là. On va pouvoir récupérer leur trésor, un truc comme ça. Oh! Je lance une flèche. Hein. Je ne sais pas si j'ai reçu de flèche, mais. Attendez, il n'y avait pas un coffre là? Ah, c'est du troll! Mais j'étais persuadé d'avoir vu un coffre. Je suis pas aussi con que ça, si. TG. Je suis vraiment con. Très bien. Ouais, ça marche. Ouais, mais très bien. Pas de soucis. Alors, on a dit que le sanctuaire était là-bas. Bah écoutez, les amis, un petit sanctuaire, ça fait pas de mal. Oh! Hé! Oh! Boum! Bitch! Voilà. Allez, hop, on va se battre une cune. Ouh! Et nickel. Oh, reste pas à Gobeyemu, je fais quelque chose. Meuf, STP. Fio, c'était étrange cette fois. Ça me fait mal de devoir te remercier, mais tu m'as bien aidé. Oh, trop bien! Grrr, je leur ferai payer la monnaie de leur pièce la prochaine fois, ils verront. Oh, c'est trop bien des petits events comme ça. Ah, c'est super sympa ça. Hop, on va aller activer ce sanctuaire, puis après la tour. Ah, mais voilà, mais là c'est beau! La couleur vue est dégagée. Oh, ça fait plaisir. On va essayer de trouver le souvenir, mais bon. Je suis désolé si ça avance pas trop le let's play, les amis. Enfin, j'ai l'impression d'avancer moi personnellement, mais. Sanctuaire de Yaka. De Yakamata! Kamate, j'ai l'impression moi personnellement d'avancer, mais. J'avoue qu'au rythme où on va, ça va pas trop le faire parfois. Ok, on est bon. Hop là. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai ruiné littéralement dans le tram mes écouteurs. Du coup, je vais en utiliser qu'un. Attendez, je sais pas si vous avez bien vu. Ouais, voilà. Vous avez vu, il est complètement niqué, du coup je peux plus le mettre. Trop. Ah! On va partir sur une épreuve avec de l'eau. Très bien. Ok. What the fuck? Ah. Ah non. Ah si. Voilà. Et voilà toi, hop. Du coup, ça contrebalance et ça ouvre la porte. Hé. Bonjour. Ok, donc là on va utiliser le Cryonis pour créer un petit truc de glace là, mais je ne peux pas. Hop, on passe. Ok, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ta gueule. Ok, je comprends. J'ai carrément compris ton point de vue. Putain, on est en 7ème pour commencer. On a besoin de pierre, attendez. Vas-y. Bordel. Ah oui, ah non, ils ont prévu les petits malins. Là, tac, là ça tombe, ça tombe. Maintenant, ok. Alors, non, non, oui, merci. Ah, pas ouf. Le bouclier qui se casse d'un coup, le bouclier, n'importe quoi. Là, vous avez. Oh putain! J'ai bavé. Complètement. Voilà, nickel chrome. Wouh! On n'a pas arrêté nos balles, ça c'est plutôt cool. Oh! Un glaive de gardien. La lame bleue de cette épée de nano gardien a été forgée grâce à d'anciennes technologies. Elle n'est pas très solide. Dame! On a eu une putain d'épée, les gars.
On a vraiment une arme qui fait 50 de dégâts. Tu vas te casser, mais instant. Ah ouais. Oh, mais c'est trop stylé. Alors. De toute façon, on va devoir brûler ça. Alors c'est un truc qui a pas d'importance. Voilà. Ça devrait brûler normalement. Pas du tout. Pas du tout du tout. Néanmoins. Ah, pourquoi j'ai pas gardé des flèches de feu? Tant pis. Peut-être avec Cinetis. Polaris, pardon. On peut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ah, si, on va brûler les feuilles là. Ça peut potentiellement brûler, non? Allez, brûle! Allez! Bordel. Allez, hop là, voilà. T'es bien rangé comme ça. Non, pas du tout. Ah, mais attendez. On va utiliser Cinetti sur la boule. On prend pour un con là, entre nous. Et boum! Allez, qu'on soit sourd! No time to care. No time to care, les petits. Oh, un petit coffre. Épée de chevalier. Mais bordel! Mais bordel! Enfin, désolé, mais. Avez-vous vu les armes qu'on obtient là? Nous qui étions avec des armes de 4 il y a même pas 10 minutes? Enfin, de puissance 4, là on obtient une fucking épée de 26. Studio. Ah, mais c'est ouf! La vérité, c'est trop bien. Alors. Oh putain. Ah, oui, mais non. Mon dieu, mais on en fait qu'une bouchée? Oh, ils ont des lances! Attendez, on va faire un truc stylé. Êtes-vous prêts, les amis? Pas du tout. Très bien. Non, mais j'ai compris ton point de vue en vrai. Allez, on va prendre un petit Radimax. C'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok, voilà. Attendez, mais les lances de gardien. Bon, ça va me casser les couilles. Entre nous. Non. Oui, voilà. Alors. Ça, on va jeter. Ça, on va jeter. De plus, on va prendre. La lance de gardien. Très clairement. On va prendre cette lance de gardien. On récupère les petits matériaux là. Alors maintenant, il va falloir bouger quelque chose ici. En ouvrant les portes. Interesting. Oh putain! Bon. Ah, génial. On a un rotator là. Ah, il est long ce. Un troisième coffre. Il est long ce sanctuaire. Vous trouvez pas? Moi je trouve qu'il est plutôt long. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas. Je suis juste surpris de tout ce qu'on obtient là comme arme. Oh, c'est trop stylé ça. Oh, boum. Ok, ça fait un fail. Oh, mais c'est trop stylé! Aïe, pardon. Pas du tout. Poum! Oh, on est très bon là! Oh! C'est putain fail! Il y a ma manette qui m'est tombée des mains, on va me dire. Ok, non, toujours pas. Voilà! On est bon. Ça ouvre là. Alors, par contre, mon petit pote. C'est pas contre toi, hein, mais. Va falloir se pousser un peu.
Là. Merci. C'est très gentil de ta part de m'avoir laissé passer. Alors. Putain, c'est une grosse épreuve de force, hein, là, quand même, hein? On est où, là? Ça, j'imagine que ça va bouger. Il faut mettre un poids là-dessus. Ça fait quoi, là? Ça fait ça. Et t'es où, hier? Tout bonnement. Je t'ai envoyé du feu, là-bas. Pour faire descendre ça. D'accord. Néanmoins. Comment veux-tu qu'on fasse ça, bordel de chiasse? Bon, je me suis chié de... composants, j'avoue. C'est à ce moment-là que la torche rentre en jeu, les amis. Non, pas le choix, il faut pas qu'on se tire. Fou! Oh yeah! Mon dieu! Et cette technique de blédard, quoi. Bordel. Ah, ok, danger. Hop! J'ai compris ce qu'il fallait faire. Ça va être plutôt compliqué. Bordel! Oh! Pas du tout. On va voir exactement comment ça réagit. Ah non, faudrait que ça fasse dans l'autre sens, au contraire. Non, justement. Mais ça peut pas, en fait. Quoique. Ça pourrait si on l'envoie assez fort, en fait. Même pas. Mais. Du coup, on joue là. Parfois, je me désespère. Hein. Allez, allez, allez! C'est bien, champion! Je suis désolé, les amis, ça a dû vous démanger depuis tout à l'heure. On fait quoi de ça? Ah! Allez, 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 allez! Ok! On va rester sur ça. POUM! Oh yeah! Oh les amis, vous avez vu? Et putain, j'ai fait louper vachement de choses ici! Dis donc! Bon, hop, heureusement, on a réussi à récupérer. Il y a encore un coffre ici, bordel! Enfin, il faut que j'arrête de dire bordel, bordel. Ah zut! Alors oui. Oh mais non! C'est un super bon ascenseur en vrai. Du diamant brut? Eh mais les amis, mais... Ah mais sans déconner! Je crois que c'est le sanctuaire le plus worst qu'on ait jamais eu. Hein. Hop là! Et voilà, on a un tout nouveau blason, un emblème du triomphe. Donc voilà, hop hop hop. On regarde juste 2 minutes la tête du mec et après on passe, hein, parce que c'est bon, faut pas déconner. Mais joli. Allez, hop, salut! Bisous. C'est magique, c'est magnifique. On a 4 du coup, ça veut dire qu'on pourrait refaire une amélioration, techniquement. Mais on va pas la refaire maintenant, très clairement. Bon, bah c'était plutôt un sanctuaire super long. Je pensais pas. Mes énigmes étaient plutôt sympas. Bon, j'espère que je vous aurais pas trop fait rager sur les énigmes en ne comprenant pas trop parfois. Je pense que ça va, j'arrive quand même à enchaîner assez vite, hein, on va pas se le cacher. Le mec il se flatte, c'est tout va bien. Enfin, non, mais sincèrement, j'ai l'impression d'enchaîner assez vite les techniques. Les énigmes, pardon. Ok, bien. Ouais, le gardien est juste là.
gardien est vraiment juste là. On monte. Oui, mais si c'était il y a 100 ans qu'il a pris les photos, en 100 ans, ça a dû changer, non? Ok, mais vraiment, d'accord, ok, donc le gardien, il fait toute la zone comme ça. Alors, je vous explique pourquoi je voudrais cette tour, pour avoir une vue environnante. Donc, pour ainsi trouver plus facilement le lieu de recherche que je veux. Go! Putain, il y a un gardien juste là aussi. Il m'a vu, il m'a repéré. Il aurait pu me voir. On a eu extrêmement beaucoup de chance. Ok, on descend. Oh là, ça va être extrêmement chaud pour monter. Comme ta pente. Oh, c'est. Oh, ça va être hardcore là. Très clairement, les amis. Je promets pas de réussir. Non! Viens! On est bon. Là, on est très très bon. Kata! Kata! Un fail. On m'accuse en fail. Non, tu me bats plus. C'est bête. Alors, désolé pour ce fail, les amis, mais j'ai compris, il a pas voulu s'accrocher. Du coup, obligé de te tous retamer, mais on peut voir que ça passe crème. Hein. Enfin, je dis ça, mais. Bon. Hop, hop, nickel, ça passe là. Hop, vas-y, tu peux tirer, ça ne me dérange pas. Quasiment, on est quasiment arrivé tout au sommet. Mais putain, eh mais si, ce sont des snipers hein, les trucs, hein. Bon, du coup, je préfère faire étape par étape parce que. Oh, damn. On est bon, ok, c'est bon, les amis, on a réussi à le faire. On a très. Clairement réussi à le faire. Allez, on déverrouille cette tour. Alléluia. Du coup, on va pouvoir voir un peu aux alentours et surtout essayer de repérer la zone qui nous intéresse. Oh, cette musique, mon Dieu. Oh, la zone est belle. Parfait. Une nouvelle tour supplémentaire. Elle était chaude celle-là. Franchement, pour notre niveau actuel, sachant qu'on ne peut pas tuer encore les gardiens comme ça. A été plutôt chaude. Acquisition des données locales. La gugute, regardez-moi ça, c'est la gugute. La gugute de données, la gugute de savoir, la gugute du bonheur, la gugute. La gugute. Bref, je viens juste de péter un câble, je suis désolé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ok, alors. Hop, et on arrive quand même à débrouiller encore une fois une grande zone. Ok. Ah ouais, donc le château est là-bas. On peut le voir. Ok, c'est bon, je sais où on doit aller. Il y a un petit emplacement pour. On va se prendre tous les carrés dans la gueule. Attendez, il est où le château? Repère le château. Isalo, s'il te plaît. Regarde le château. Il est où le château? Ok. Simplement, il faut aller dans cette zone. Je pense que c'est juste ici. C'est obligatoirement juste ici. J'en suis quasiment sûr et certain à 2000%. Quoi? 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 Non, 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 tu te ranges, tu te ranges. On est bon. Oh, messieurs, pourquoi essayer de me tuer, franchement, hein? On n'est pas bien là. On est tous bien ensemble, non? Alors, je suis sûr quasiment à 200% que c'est cet endroit parce qu'on se trouve pile au poil en face du château. C'est sûr, c'est cet endroit, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je sais pas si on peut aller dans cet endroit avec notre niveau actuel, mais bon, c'est pas grave. Mode bas les couilles frottées. C'est bon, on est bien là. On gère, on gère, on gère, on gère.
J'ai vu des chauves-souris, j'étais pas bien. C'est bon, il va m'arriver quelque chose de mal. Oh dame, on court, m'en bats les couilles des loot. J'aimerais pas trop mourir maintenant. Oh, c'est des glands. Des truffes max! Du coup, ce qui paraît, j'en ai déjà eu. Qui en est bon là? Ouais, donc les amis, hein, je suis désolé, mais je récupère pas tout. Hein. Très clairement, rien à faire. Oui, c'est ça. Les amis, on a réussi à trouver un des endroits du souvenir. Ah, par contre, si je meurs maintenant, j'aurai le seum. Coucou, petit renard. RT. Hop, on va prendre ça. Oh, les amis, on a réussi à trouver. Parfait. Oh, ça lag un peu, les gars. Quand on a cette arme dans la main, ça. Putain, les amis, ça a tellement changé depuis 100 ans. Gros à 10 max, dont l'image a bugué, c'est plutôt sympa. Oh. Les amis. Le gardien, il est là. Et oui, les amis, ça fait partie d'un des souvenirs de Link. Voilà. Fin de Zelda, du coup. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de... Eh ben, c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, les amis, je vais me casser d'ici parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais cette cinématique m'a très clairement troublé. Mais vraiment beaucoup. Attendez, on a vu donc Zelda entourée donc de nous, forcément, d'une Gerudo, d'un Goron, d'un Zora, d'un Piaf. Alors, le Piaf, c'est un peuple dans Wind Waker. Il y aurait 4 espèces différent de l'humain, donc un qui possède la lame purificatrice qu'on voyait dans notre dos, et on nous disait que Zelda nous appréciait pas. Ah ouais, eh ouais, tu nous apprécies pas. Ouh, du bout du bout. Non mais, avez-vous vu notre tenue aussi? C'est pas la tenue des héros, vraiment. C'était une tenue bleue avec un pantalon. Bref, cette cinématique était très étrange, les amis. Du coup, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le lourd pouce bleu et à partager la vidéo et à commenter, ça me fera super plaisir. Et merci tout simplement de suivre le SP. Bref, ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye!